Alors on y va. On se prépare pour un petit show qui devrait somme toute bien se passer. J'ai du matériel beaucoup plus fiable qu'avant. Donc je suis confiant, il ne devrait pas y avoir de problème. Et ben on te suit. Ah, il va essayer de faire un aller-retour. Oui, t'es pas dans la trajectoire, donc si tu chies, c'est mieux. Exactement. Pardon. Un volontaire. Il arrive le volontaire. On va avoir besoin d'un volontaire pour débrancher les batteries. Fernand, là. Faut juste enlever la pince. Tu lâches ce que t'as dans les mains, t'inquiète pas. Mais faut juste enlever la pince comme il te le dit. Voilà. Il y a pas de risque. Tu tires sur le fil, ça va venir. Tu tires sur le fil, ça va venir et aussi les trucs. Là, et puis c'est t'arraches tout. Et pendant le démarrage, on va éviter d'être sur le côté. Ouais. Faut pas être sur les côtés hein, pendant le démarrage, au cas où la turbine se disloque. Et bon, y a pas de danger hein. Fernand, dès que t'as arraché les trucs, tu te barres, je reste seul avec l'extincteur. Le premier câble il part tout seul? Tout part tout seul. Voilà, tout part tout seul. Fais gaffe les pile poils derrière. Côté là que c'est censé merder. Parce que la lumière est là. Je vais laisser un peu 30 secondes pour lubrification. Tu pars tout seul. Mieux. Alors tu t'éloignes un petit peu, tu te mets devant. Tu te mets plutôt devant en retrait, hein, dans la phase de démarrage. Attends. Fernand, si tu le sens pas, on demande à Denis. Hein. Ouais, faut quelqu'un qui soit à l'aise hein, si. Et s'il faut deux personnes pour tirer le chariot ou je sais pas quoi, il faut... Denis, pas sur le côté surtout. Hein. Allez, je vous donc tu me dis, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Des fois j'ai des faux démarrages, ça allume pas. Pour son pilote, il est sur 1000.
Mon retour était bon. Eh ben, nickel, c'est Sébastien. Je rappelle qu'il a commencé avec la tondeuse de son père. Voilà les expériences du professeur Sébastien. Alors professeur Sébastien, un petit mot sur cette machine diabolique. Pour une fois, alors, c'est pas mis par terre. Qu'est-ce qu'on a comme turbine, qu'est-ce qu'on a comme... Explique-nous. Alors en fait, c'est un démarreur qui sert sur les turboréacteurs, certains turboréacteurs d'avions de chasse, notamment les Mirage F1. Donc ça, petit turboréacteur entraîne le beaucoup plus gros, juste le temps de démarrer. Il n'a pas ouvert la porte. Et après, il est éteint parce qu'il ne sert plus à rien. Le gros réacteur qui se trouve derrière a pris son autonomie et l'avion de chasse, il est prêt à décoller. Donc en fait, ça développe la puissance de 80 chevaux. Et j'ai adapté en plus la post-combustion militaire pour pouvoir gagner de la poussée. Donc là, une fois, il n'est pas parfaitement optimisé, une fois la tuyère de post-combustion bien optimisée, je devrais arriver à obtenir environ 60 kg de poussée. Donc là, je sais pas, je devais avoir peut-être une quarantaine de kilos de poussée, donc je vais pouvoir gratter encore un petit peu de poussée. Ça devrait le faire par la suite. Voilà. L'année prochaine. Merci, tiens. Merci à vous, à l'année prochaine. Seb, on le ressort avant les cartes parce qu'on est en sortie de cours quand même, on n'est pas bien. Et la nuit par contre, c'est... Ah oui, oui, surtout dans la rue de pocher son père. Hey, t'as pas compris. Je sais pas, bah si t'en as, mais deux jours.